Je suis enfin de retour après 4 mois d'absence. Est-ce que je vous ai manqué? De mon côté, vous m'avez beaucoup manqué. Avant que je partage avec vous la raison de mon absence, la vraie, on se retrouve dans ma cuisine pour commencer cette vidéo. J'avais filmé cette partie en fin décembre, le 29, je pense, avant ou après Noël. Vous ne fiez pas la date sur le calendrier. Mes enfants avaient changé en jouant avec. Je venais de rentrer du boulot et mon chéri avait déjà fait la vaisselle et mis les enfants au lit. Programme, je voulais faire un nettoyage en profondeur de mon four électrique car ça faisait un sacré bout, je ne l'avais pas nettoyé même hors caméra. Je vais d'abord commencer par ranger dans les placards la vaisselle. Pour celles et ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je n'ai pas de la vaisselle chez moi, tout se fait à la main. Oh là là, ça fait vraiment tout bizarre et drôle de pouvoir enfin partager ce ménage avec vous, bien qu'il ait été fait en décembre. Mais bon. Après avoir rangé la vaisselle, je plie les bavoirs de mon second fils de façon que ce soit facile à ranger dans les tiroirs de cuisine. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie durant cette longue absence. J'espère que dans la vôtre aussi. Pour nettoyer le dessus de ma plaque électrique, je vais utiliser ce liquide vegan de la marque Astonish et ce torchon micro-coton. L'élément le plus important est cette lame de rasoir que j'utilise pour lever les résidus secs et ça n'égratigne pas du tout, je vous assure. Si vous avez peur, vous pouvez toujours aussi utiliser cette lame rétractable sur Amazon à seulement 3 euros. Ça fait plusieurs mois que j'ai dû reprendre le boulot face à quelques difficultés financières. Surtout aussi après plusieurs années à la maison, comme à mon foyer. Le changement n'a pas été vraiment facile à gérer, pour dire vrai. Car j'étais maman à temps plein, plus ma chaîne YouTube, une maison à tenir, deux garçons et mon couple aussi. Donc, quand le boulot s'est rajouté, je peux vous assurer que ça a été un choc brutal pour moi. Surtout moi qui me croyais très forte. Mais bon, c'est la vie. Après avoir gratté les résidus secs, je nettoie la plaque. Ensuite, j'applique le liquide Astonish et je vais laisser agir pendant quelques minutes. Entre-temps, je m'occupe de l'intérieur du four car il en avait grand besoin d'un nettoyage. Je vais commencer par enlever les grilles et la plaque du four. Vaporiser l'intérieur de mon DIY fait maison. Si
vous avez prêté attention à mon titre, vous aurez lu que j'ai écrit dépression, car oui, c'est effectivement ce que j'ai eu. J'ai eu un gros burn-out en décembre qui m'a conduit au bord d'une grosse dépression. Franchement, je ne savais pas que ça pouvait aussi m'arriver. Déjà que pendant le premier confinement dans l'an 2020, j'ai beaucoup fait d'anxiété. Et ma chaîne YouTube m'avait beaucoup aidé à l'époque à me relever et surmonter cette étape. Et voilà, plusieurs mois plus tard, je me vois prendre une pause à cause de YouTube aussi. Où viennent les vraies raisons, je vous raconte au cours de la vidéo. Continuez de regarder. Maintenant, à l'aide de ce spray super dégraissant, je vais nettoyer les vitrines de la porte du four. Ne vous inquiétez pas, tous les liens des produits montrés dans cette vidéo seront laissés dans la barre de description pour vous. Voilà, super propre. Faire le ménage et nettoyer me procure toujours une énorme satisfaction et me permet aussi de m'évader et me déstresser. Est-ce que c'est le cas de votre côté? J'ai repris le boulot l'an dernier en août. Honnêtement, j'étais vraiment confident, comme on dit ici au UK, que j'allais y arriver. J'avais tout planifié, mais la réalité était toute une autre chose. Vous ne le saviez pas, cette chaîne, je l'ai toujours prise au sérieux. J'aime beaucoup le travail que j'abats ici. Mon souhait et rêve a toujours été d'en vivre. Mais malheureusement, malgré tous les efforts, le temps sacrifié pour partager ma passion et mes astuces et motivations avec vous, YouTube ne poussait pas assez mes vidéos. Pourtant, je voyais d'autres chaînes de certains collègues qui grandissent plus vite que la mienne. Ce qui est encore plus choquant quand vous êtes noir sur YouTube et que l'algorithme s'en rend compte, vous êtes encore moins poussé. Alors là, ce sont des réalités que même youtubeuse noire américaine qui a 3 millions d'abonnés avait dénoncé sur sa chaîne YouTube après une de ses différentes visites dans les HQ de YouTube. Ici, j'utilise l'éponge métallique pour bien donner la brillance à mes grillages.
Maintenant, je lave les plateaux de mon égouttoir à vaisselle. Pour faire briller l'évier, je vais utiliser le Pink Stuff sous forme de pâte et avec un tampon mousseux et vous verrez par vous-même le résultat. Quand j'ai fini mon évier, je vais maintenant nettoyer les surfaces. À cette période, mes surfaces étaient encore saturées de la décoration de Noël, mais maintenant c'est nettement plus clair. J'ai finalement compris que je faisais une dépression. J'en ai parlé à mon mari et il ne m'a pas vraiment cru. Ou du moins, à minimiser mon appel de secours. Vous pensez peut-être que je faisais des caprices. Ce sont les symptômes que j'avais. Beaucoup d'anxiété. J'avais énormément du mal à dormir alors que j'étais pourtant très fatiguée moralement et physiquement. Je transpirais beaucoup la nuit. Parfois, je me réveillais complètement mouillée. Je ne mangeais pas vraiment mais grignotais beaucoup plus. Comment ceci a-t-il commencé? En fait, quand j'ai commencé à remarquer que ma chaîne ne grandissait pas autant que je l'aurais souhaité, malgré tous les sacrifices et efforts que j'ai consacrés, surtout étant maman, YouTube poussait plus d'autres chaînes francophones de l'avant et avec le coût de vie devenu tellement cher, j'ai dû retourner au boulot. Beaucoup d'injustice et d'impartialité que je remarquais sur YouTube, etc. Ça a pris un gros coup sur mon moral vu que je me mettais dans d'énormes pressions. Résultat, j'ai fait un gros burn-out. En fait, dans mes efforts de vouloir absolument être toujours constante, malgré le fait que je ne gagne rien ici, aussi être loyale et honnête envers vous, ma communauté, encore plus envers la compagnie qui m'envoyait des produits gratuits à essayer et faire des revues pour elle, sans compter du temps pour ma famille aussi, le boulot et tout ça et tout, voilà quoi. Ça a fait que, je me souviens, le 31 décembre, j'ai fait une grosse crise, j'allais très très mal. J'ai appelé mon mari qui était à l'étage et je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Il m'a donné la solution, celle de mettre une pause et stop à tout. C'est comme ça que je me suis éteinte des réseaux sociaux. C'était dur, je vous assure. Après, mon Dieu. Comment je suis arrivée, continuez de regarder la vidéo, je vous en dirai plus. Si entre-temps, vous avez déjà eu une expérience avec maladie mentale quelconque ou même un proche, je serais tellement ravie de vous lire en commentaire. Dans quel cadre ceci est-il arrivé? Comment avez-vous affronté cela? J'essayais de combattre ma dépression, j'essayais de recommencer mes routines faciales sans sauter, surtout aussi essayer de dormir. Tous les produits que j'utilise pour ma routine cette nuit seront mentionnés dans la description.
Sinon, comment vous allez? Quoi de neuf de votre côté? Les nouvelles et nouveaux, bienvenue ici. Moi, c'est Nelly, maman de deux garçons. Je vis en Angleterre. Mes vidéos tournent autour de l'entretien d'une maison dans le sens du minimalisme et de la vie de façon écologique. Et vous, dites-moi un peu plus sur vous. Avant de continuer la vidéo, je vais vous parler rapidement d'un produit qui m'a beaucoup aidé pendant l'amélioration de mon sommeil dans cette période. Il s'agit de cet oreiller que je vais déballer. J'en suis reçu avec deux têtes de couleurs différentes dont le tissu est fait de soie. Franchement, le top quoi. Il faut noter que moi je ne dormais pas avec l'oreiller, mon mari a toujours trouvé ça bizarre. J'utilise seulement l'oreiller pendant mes grossesses, mais depuis que j'ai celui-ci, sans mentir, mon sommeil s'est nettement amélioré. Voici ce que le thé d'oreiller Omia prône. L'oreiller est conçu de façon qu'il y a l'endroit pour le renforcement pour le visage ou pour dormir en position latérale, le renforcement pour le repositionnement de la tête, le renforcement pour dormir sur le dos, le renfort du support pour le haut de la tête, le support du cou, le renforcement pour l'épaule, en bonus une couche supplémentaire de mousse à mémoire de forme pour ajuster la hauteur de l'oreiller, comme vous me voyez décrire et vous montrer dans la vidéo. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup du mal à m'adapter à dormir avec l'oreiller, mais aussi la hauteur quoi. Avec beaucoup de patience et suivi de la notice, après 7 jours, je commençais déjà à sentir une différence et jusqu'aujourd'hui j'utilise toujours cet oreiller, comme quoi franchement il vaut son prix. Parce que la compagnie a été vraiment bienveillante et patiente avec moi, j'ai pu vous obtenir un code de réduction qui vous donne droit à 10€ de réduction sur votre facture. Utilisez juste Nelly 10 à la fin de votre achat et c'est tout. Retrouver un meilleur sommeil est la première chose sur laquelle j'ai travaillé le plus dans le début de ma dépression, car si je dormais bien, je pouvais mieux affronter la journée, me reposer et le lendemain, on continuera la journée ensemble. Là, je vous montre une chevillère de la marque WooWear. Bien que la marque soit en anglais, c'est bel et bien une marque française. Il y a une superbe et belle histoire derrière cette marque. Je vous invite vivement à les lire. Vous ne serez pas déçus. Si vous me connaissez, vous saurez que je ne suis pas vraiment très bijoux, mais j'ai toujours aimé avoir une jolie chevillère comme celle-ci. Vous la verrez plus souvent dans mes vidéos, si vous prêtez attention. Ce que j'ai apprécié avec la marque est que pour chaque achat effectué,
50 saints se sont versés à une association partenaire. Les bijoux sont faits en plaques or, 18 carats, 3 microns et en argent massif. Ils ne se délavent pas sous l'eau, du coup je n'enlève jamais ma chaîne aux pieds. Bonus, la marque livre partout dans le monde. Et si vous aimez les bijoux plus que moi, alors vous serez enchanté car il y a une variété de bagues, de boucles, etc. Surtout, n'oubliez pas de profiter de mon code de réduction Nelly 15 pour obtenir 15% de réduction à la fin de vos achats. Je finis de faire le lit et on se retrouve après. Dans ces quelques mois d'absence, j'ai enfin transformé la chambre de mes garçons et je partagerai la vidéo avec vous. Dorénavant, je publierai une fois par semaine. Quel jour vous arrangerez, mercredi ou dimanche? Pause pour vous parler des culottes menstruelles Sister Republic. Avez-vous déjà entendu parler de cette marque? Moi, c'était ma première fois. Vu mon chemin de la vie de façon écologique, l'idée de culottes menstruelles était cool. J'ai reçu le pack starter qui contenait 3 différentes culottes. Moi, j'ai pris la taille M. Vous pouvez aussi choisir le niveau d'absorption en fonction du type de règles que vous avez. J'ai beaucoup aimé mon boxer Ginger. Je vais finir le lit et m'apprêter pour sortir. Une des choses sur lesquelles j'essaie aussi de m'améliorer, c'est celle de mes mains un peu plus. Donc, j'essaie de m'habiller, de faire un peu plus, me faire un peu plus belle quand je sors. Ce jour, j'allais en train rendre visite dans une autre ville et je comptais porter ma nouvelle botte Eco-Friendly Vegan de la marque Vivaya. Une marque que j'avais déjà présentée ici. La semelle est super belle, la botte vraiment chic et élégante. Les caractéristiques sont les suivantes. C'est une botte à bout carré, elle est fabriquée à partir de la laine et des bouteilles en plastique collectées dans la mer. Tissu en tricot respirant et doux, une semelle intérieure désodorisante écologique, une semelle extérieure en caoutchouc antidérapant. J'ai trouvé l'enfilage de la botte plutôt facile et mon coup de cœur sont les lacets derrière là. Trop beau. Au final, j'enlève les chaussettes, ça me serrait un peu. Avec mes bottes, j'ai aussi reçu ce joli sac. J'ai pris la même couleur que mes bottes. Pourquoi pas? Le nom du sac Zara Tote. Le sac Zara est conçu avec une forme verticale classique et de longues poignées qui peuvent être portées à l'épaule. Ce fourre-tout élégant est doté d'un tissu recyclé doux dans une couleur de saison audacieuse, ce qui rend le rendu parfait pour les déplacements en printemps et en été. Et voilà mon look du jour avec un manteau gris. J'avais beaucoup aimé et ne vous inquiétez pas, je vous ai obtenu un code que vous pourriez utiliser tout au long de l'année car il est un code à long terme, Nelly G, qui vous donnera une réduction de 18% sur votre facture. N'hésitez surtout pas de regarder dans ma description pour avoir tous les liens nécessaires et mes codes mentionnés dans cette vidéo. Je vous remercie tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Ça m'a fait un très grand plaisir de pouvoir enfin partager avec vous et de m'ouvrir sur ma santé mentale. Si vous avez des expériences à partager avec moi, je serai ravie de vous lire. C'est à la prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao, portez-vous bien. Thank you.